Dans cette publication du 18 mars 2024, Vinci raconte son histoire et arrange les faits. Ces affirmations sont erronées. Elles sont vraies si et seulement si on considère uniquement les trois paramètres de mesure qui sont les dioxydes d'azote, les particules fines et le benzène. Et puis, l'axe routier et son trafic. Recontextualisé sur l'axe routier que représente l'agglomération strasbourgeoise et considérant la spécificité géographique du bassin rhénan, elle ne constitue pas un fait probant, d'autant qu'une étude rendue publique en 2023 sur 4 communes riveraines du GCO montre une dégradation significative de la qualité de l'air pour ces communes depuis la mise en service du contournement. Ici, la voix off prétend que l'autoroute A355, le GCO, permet aussi d'améliorer la qualité de l'air sur la métropole de Strasbourg. C'est faux. Le GCO n'y est pour rien. Au contraire, en considérant la topographie géographique de l'agglomération strasbourgeoise, la pollution de l'air est plus diffuse, notamment par le fait des vents dominants qui rabattent la pollution vers la capitale alsacienne. Pire, le contournement a créé un trafic induit avec une augmentation du trafic cumulé avec la M35 de 8,5% en 2023, soit 14 000 véhicules en plus par rapport aux données de 2019 pour la seule M35. Si la qualité de l'air s'est améliorée, ce n'est pas grâce au GCO. D'autres facteurs sont en jeu, comme la mise en place de la ZFE par exemple.